Alors ce matin, il est 8h30, 8h30 de décembre en Nouvelle-Calédonie. Il fait à peu près 30 degrés. Je m'apprête à faire l'ascension du Mont d'Or, du nom de la ville où nous sommes ici, ou plutôt l'inverse, je pense plutôt. C'est un parcours, comme on a vu sur le panneau, qui a annoncé difficile, mais le temps a l'air sympa et des tas de gens le font, donc ça ne doit pas être si difficile que ça. Il y a 4h30 de rando selon le panneau, 7 km de tracé, un dénivelé de 900 mètres, avec visiblement, et on l'espère, une vue sympa sur le Pacifique lorsqu'on sera au sommet. Allez, c'est parti. 5620 marches. Mais on nous souhaite bon courage, donc c'est bon. Pacifique est là, tout autour de nous, avec le lagon sud. Donc j'ai bien hâte de voir ce que donne la vue au sommet. On voit quand même magnifiquement bien toute la baie, hein, depuis cette montagne. Et là-bas, c'est Nouméa, de l'autre côté de la baie. On voit tout un tas d'îlots. Notamment, il y en a un là-bas. Là. Là, si je peux zoomer, il y a un phare. Le sommet. Hop. Et on va le voir. Là-bas. Hop. Je vais faire mise au point sur la branche. On va faire là-bas. Je sais pas c'est lequel. Franchement, ça va. Hein. Les gens, ils se mettent bien avec les baraques là. Là, il faut suivre cette crête pour atteindre le sommet. C'est parti. Qui est chargé d'éteindre les feux. Il circule beaucoup en ce moment. Il y a encore eu un départ de feu hier. Là on avait observé le précédent feu, donc j'avais fait la vidéo il y a quelques jours. Bon, il fait quand même vachement chaud, mais il y a pas mal de vent. Alors, c'est la saison des alizés en ce moment. Donc là il y a beaucoup de vent, mais c'est un vent frais. Donc c'est nickel. Ça rend la montée hyper agréable. Mais le problème de ces vents, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'hélicoptère, c'est que ça augmente le risque de voir se propager les feux, quoi. Donc moi, je suis content, mais pas content en fait. Ça y est, on est en haut. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais découvrir avec vous. Ah oui, c'est magnifique. Moi j'habite ici là.
dédicace, un gros bisou à mon pote Nico, à mon frère Samri. C'est grâce à eux que tout ça est possible. Donc je vous aime les gars. On a d'un côté l'océan et hop, juste de l'autre côté, on a une vallée. Donc c'est pour ça que il y a quand même pas mal de nuages ici. Ah, ils sont bloqués par les montagnes. Hop. Et ici, à côté Pacifique, c'est quand même pas mal dégagé. Donc des montagnes ici, il y en a quand même beaucoup. Hein. Surtout là-bas, dans le sud. J'y suis pas mal allé en sud. J'y ai fait pas mal de vidéos. C'est là où on avait fait les différents inventaires que j'avais montré en vidéo. Là où il y a eu le feu aussi, malheureusement. Donc là-bas, il y a beaucoup de montagnes. Il y en a quand même pas mal dans tout le pays. Elles sont pas très hautes. Hein. La plus haute, c'était le Mont Panier. J'y étais allé lorsque j'étais arrivé ici. Et c'est là que j'avais fait ma toute première vidéo. Donc si je me souviens bien, c'était 1300 ou 1600 mètres, un truc comme ça. Là, on est à un peu moins de 1000 mètres, à 900 mètres. Mais suffisant hein, pour regarder les nuages dans la chaîne hein, et avoir le ciel bleu hein, au niveau du Pacifique. D'ailleurs, le nom même de Calédonie, il renvoie à ces différentes montagnes. En fait, c'est l'explorateur britannique James Cook, lorsqu'il a découvert l'archipel, enfin, pas vraiment découvert, hein, parce qu'il y avait évidemment des gens ici, hein, des Mélanésiens depuis des siècles, mais lorsqu'il a découvert pour le compte des Européens la Nouvelle-Calédonie, et qu'il a vu les différentes montagnes verdoyantes, ça lui a rappelé l'Écosse. Donc il a appelé l'île Calédonie. Hein. Calédonie étant l'ancien nom, l'un des anciens noms hein, de l'Écosse. Hein. Tous les fans de Camelot le savent, hein, avec le roi Calogrenant de Calédonie. Et d'ailleurs, la boucle est bouclée puisque Calédonie, ça vient du gaélique, un ancien breton, Caled, qui signifie la roche, la pierre. Et ici, en Calédonie, les Calédoniens surnomment l'archipel, enfin en tout cas l'île principale hein, hein, de l'archipel, hein, ici la Grande Terre, ils surnomment ça le caillou. Donc caillou, roche, Caled, Calédonie. Donc la boucle est bouclée. Hein. Comme quoi, hein, les voies des dieux des océans sont impénétrables. Et il est temps d'en descendre, et pour la redescente, on va passer par l'autre versant qui va nous amener à travers la vallée vers la ville de Plum.